Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau Let's Play sur ma chaîne. Donc, ce n'est pas une vidéo découverte comme je l'avais prédit lors de ma dernière vidéo, ce qui vous attend pour l'année 2017. Je commence cette année 2017 par un Let's Play qui me tient tellement à cœur. J'ai réussi à la retrouver dernièrement via un cache et j'ai décidé de vous faire un Let's Play parce que franchement, j'ai trop envie de le refaire et vous faire découvrir ce qu'était vraiment un bon petit jeu TPS. Donc ce jeu est sorti, si je me souviens bien, le 3 décembre 2009 sur PC, PS3, 360, DS, Wii, iOS, Android et PSP. Il a été édité par Gameloft et développé par nos amis Ubisoft. Donc Avatar The Game, c'est bien un titre à licence, mais c'est l'un des meilleurs jeu à titre à licence que j'ai découvert sur cette génération de consoles. Et pour vous faire découvrir autre chose, j'ai débloqué les 1000G, mais il y a très très longtemps. Alors la dernière fois que j'ai joué, vous voyez, ça date de 2010, donc ça fait déjà plus de... Ça va bientôt faire 7 ans que je suis pas retourné. Donc vous voyez, c'était vraiment des petits succès à la con, voilà, comme terminé. Alors certes, il fallait vraiment les faire, les 150 parties, mais bon, le multi était pas si mauvais que ça. Et bon, au moins vous voyez que j'ai débloqué tous les succès sur Avatar. Donc après, vous voyez au jeu que je joue en ce moment. Donc alors, la petite particularité de ce jeu-là, c'est qu'il vous sera possible d'utiliser deux factions. Bon là, c'est déjà vous choisissez votre avatar. Enfin, c'est bien dit d'ailleurs. Donc voilà, moi, je m'en fous de ce que je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme perso? J'ai pas. Oh tiens, une gonzesse, ça va changer un peu. Il sera utilisé pour identifier. Oh, bon, on va mettre North Sky, No Skip, peu importe. Donc, très franchement, j'espère que cela vous plaira parce que j'ai vraiment très très hâte d'y retourner. C'était un bon petit défouloir et j'avais vraiment aimé. En plus, moi qui ai aimé le film Avatar, je suis que bouche bée quoi. Et très franchement, je suis très content de l'avoir retrouvé ce jeu-là. La petite particularité, c'est que j'en avais trouvé un et je l'avais passé à Yoizo et je savais plus du tout que je l'avais plus dans ma collection. Du coup, je l'ai repris. Vous verrez très prochainement dans la vidéo compte rendu vide grenier plus achat mensuel. À ce moment-là, donc c'est parti. Et j'espère que graphiquement il va tenir la route parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même déjà plus de 8, presque 8 ans pour à partir de décembre prochain. Navette 2, vous pouvez atterrir, plateforme 9. Bien sûr, atterrissage imminent, l'enfer, plateforme 9. À chaque fois, je leur dis, ne m'envoyez plus de soldats. Et à chaque fois, ils m'en envoient d'autres. Je suis spécialiste des signaux. Oui, bon, pour moi, c'est du pareil au même. Enfin, je m'occupe pas de vous sur Pandora, Pigé. Ça, c'est le problème d'Harper. Mais si vous déconnez, ça devient mon problème. Alors, c'est extrêmement simple. Déconnez pas. C'est compris. Bon, vous allez oublier illico vos rêves de vacances. Si vous jouez au cow-boy comme les autres Marines, je vous donne à peine 2 semaines. Je vous assure que Pandora est la pire planète de la galaxie que vous ayez jamais vue. Mais si vous restez ouvert, sa récompense dépassera alors vos rêves les plus fous. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça se passe avant bien entendu, le film, en part entière. Je sais pas si c'est en année ou si c'est en mois, parce que vous voyez, on a vu la protagoniste Sigourney Weaver.
Bienvenue dans votre nouveau foyer, l'Enfer. Officier Midori. Mais oublions les formalités, vous pouvez m'appeler Kendra. Je suis chargée de votre accueil ici. Lequel de vous est Ryder? C'est moi. Bon, tu ne bouges pas. Les autres, montez à bord. On va vous conduire au complexe central. Bon. Je crois qu'on... Avant de débuter, il y aura un bon petit tuto. Donc il va peut-être nous durer un bon petit let's play. Et puis après, on ira vraiment dans l'action, quoi. Ah. Alors, est-ce que graphiquement, il est pas mal? Oh, ça va encore, hein, malgré son âge. Mais bon, ça sera mieux quand on sera dans les... quand on pourra se promener dans Pandora, quoi, si vous voulez. Donc j'ai peut-être augmenté la sensibilité parce que je trouve qu'elle est un peu molle. Alors, piquer... Oui. Je visite en même temps l'affichage. Hein. D'accord. Ah, c'est mieux. Le commandant Falco attend ton arrivée avec impatience. Falco? C'est lui qui t'a fait venir. Il t'expliquera tout ça. Mais d'abord... Il faut te remettre en selle. Waouh, j'ai dormi pendant 5 ans et ça démarre à fond. Il s'est passé plein de choses pendant ta stase, et pas vraiment des meilleures. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allons voir ton avatar. Le docteur Monroe devrait l'avoir préparé. On y va? C'est une blague? J'en rêve tous les jours depuis 5 ans. Fais attention avec le docteur Monroe. Il traite les avatars comme ses cobayes personnels. Bon, on va voir mon avatar. En tout cas, ça tourne pas à 60 fps, hein, je peux vous dire. Je crois que ça va être soit à 30 fps, un truc comme ça. C'est quoi ça? Ah, c'est des masques. Ça m'appelle pas mal de choses, ces genres de couloirs, ça me fait un peu alien. C'est tout ce que j'aime, quoi, à dire vrai. Alors, toujours l'ascenseur. Sympa de voir nos signes vitaux, là, dans un ascenseur. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il était en train de descendre. Ah, ou pas. C'est, pour l'instant, je vois des mini-petits lags. C'est vrai qu'à l'époque, je voyais pas trop la différence, mais là, c'est vrai que c'est assez flagrant. Hein. Tiens, notre spécialiste des signaux. Il était temps que vous arriviez. Vous êtes en retard dès le premier jour. Allez dans le caisson de lien. Je vais vous installer dans votre avatar et voir si vous valez les millions dépensés pour vous faire venir ici. Allez, vous n'êtes pas payé à l'heure. Enchanté, moi aussi. Officier scientifique Victor Monroe à votre service. Et c'est pas parce que votre ADN est rarissime que ça vous donne le droit de faire la maline. Bougez-vous! Ça me fait rire, tu sais, t'es obligé d'accepter les quêtes, quoi. Enfin, en réalité, vous avez pas vraiment, réellement de petites quêtes secondaires, c'est juste, va libérer ceci, va libérer cela, apporte-moi un colis, ouais, c'est pas un monde ouvert, mais il y a des petites quêtes comme ça qui vous permettent de brader votre perso, mais voilà, sans plus, quoi. Si je me souviens bien, hein, parce que hein, ça remonte, hein, quoi. Vous avez vu ma... Vous risquez d'être un peu désorienté. Tout va bien, Ryder. Mon dernier succès que j'ai débloqué, ça date. C'est très bizarre. Et voilà, là on est un avatar. Tout est normal. Vous résistez très bien. Pour un Navy, si vous voulez. Hé, hey, tout va bien, Ryder. C'est normal. Asseyez-vous, on va vous renvoyer. Déjà ? Ah putain ! Vous vous débrouillez plutôt bien. Avec mes réglages, vous ferez partie des meilleurs. Vous êtes un beau spécimen, Ryder. Allez, filez ! L'officier Midori vous attend. Oh là là !
Oh les FPS. Oh c'est pas beau. Écoute, tu dois trouver Kensington et l'aider à reconnecter les portes latérales. Elles sont désactivées. Tout le réseau est dans le rouge sur cette ligne. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le commandant Falco t'attend. Il a hâte de te rencontrer. D'habitude, il ne s'occupe pas des avatars. Il les déteste. Les gens ont une dent contre les avatars ? Comme je te l'ai dit, il y a ici des choses qui te dépassent. Tu ne voudrais pas être mal vu. Prends l'ascenseur et va voir Falco. Bonne chance, Ryder. Oui, merci. Appuyez, hein, pour sûr. Hein. Ah, waouh, super. Vous avez vu, il y a des sous-titres, alors je crois que je peux pas les retirer, mais bon, moi ça me gêne pas, étant donné que je mets le son un peu plus bas pour mieux communiquer avec vous, pour mieux parler, mais voilà, je préfère avoir quand même qu'il y ait des sous-titres. Alors n'hésitez pas si ça vous gêne ou pas, je verrai si on peut les retirer pour les prochains let's play, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas fini Red Dead Redemption, faudrait que je... Mais bon, Red Dead Redemption, ce serait sur la Xbox One, étant donné qu'il est rétro-compatible. Dommage que celui-ci soit pas rétro, parce que ça m'aurait évité de débrancher à chaque fois mes câbles. Ryder, j'ai du mal à croire que tu sois enfin là. Ça doit faire une éternité que j'ai signé tes ordres de service. Je viens au rapport, chef. Oublie les formalités, Ryder. On a une situation prioritaire. Un membre du programme Avatar transmet des renseignements top secret à la tribu Navi du coin. S'ils apprennent ce que nous préparons, on risque d'avoir une belle révolte indigène sur les bras. Qu'est-ce qu'on prépare exactement ? Tu le sauras bientôt. Je me suis battu pour te faire venir ici. Tes talents pour le décryptage sont sous-estimés sur cette planète. Si tu joues bien, tu iras loin. Sinon, cette planète te recrachera comme un vulgaire déchet. Je ferai de mon mieux. Pour l'instant, tu dois trouver cette taupe. Prends ton équipement et fais-toi conduire à la base du lagon. Et au pas de course. Oui, chef. Je sais plus comment il s'appelle, le colonel, dans le film Avatar. Ça doit pas être lui. Ah oui, alors voilà, vous voyez. Un beau petit mur invisible. Ça, c'est vraiment pas mal. Un truc qui a strictement rien à faire. Et je ne vois pas trop l'utilité d'avoir mis un putain de mur invisible, quoi. Bon. Ça, je me souvenais pas qu'il y avait ça, vous voyez. Ça m'a surpris. Ubisoft n'ont même pas fait l'effort de me traduire ça en français, quoi. Le service, bon, c'est ce que c'est, mais le training, ils ont pas fait la traduction, hein. Et pourtant, Ubisoft, c'est français, je vous rappelle. Et les games, ils font l'effort quand même de mettre en français leur jeu, hein. Si vous vous souvenez d'un peu Dead Space, il y avait ça, quoi. Bon, je peux sortir. Ah oui, à savoir, si vous entendez un peu le vent, c'est un peu normal parce qu'il y a une tempête qui se déroule en ce moment en Basse-Normandie. Donc là, on va voyager. Où est-ce que tu veux aller ? Ah ! Je me demande s'il n'y a pas des quêtes annexes en se promenant dans la planète Navi. Pandora, excusez-moi, j'ai du mal. Je me rappelle plus du tout. Mais bon, de toute façon... On va essayer de bien s'éclater sur ce jeu-là, et puis bien déconner, vous ferez vraiment découvrir ce petit jeu qui vaut vraiment le détour. Hein. C'est vraiment Avatar The Games avec X-Men Wolverine, et c'est pratiquement les meilleurs titres à licence tirés d'un film qui sont vraiment très très bons à faire. Quoi. Surtout qu'Avatar, vous pouvez le trouver pour pas cher, quoi. Avatar et tout de même X-Men Wolverine. Je vais peut-être vous en faire un aussi, X-Men Wolverine, parce que c'est vrai que c'est un bon petit jeu qui vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Bienvenue dans le parc, madame. C'est ça ? Oui, le lagon bleu. Nous avons clôturé tout le secteur. Une vaste zone sauvage. Pour visiter la planète, c'est de loin l'endroit le plus sûr. Comment peut-on visiter une planète derrière une clôture ? Sérieusement, je vais vous dire. Il faut jamais sortir de l'enceinte. Ah. Ça paraît qu'une plante a bouffé le bras d'un type. Imaginez un peu. Vous êtes sérieux ? Je déconne pas. L'officier Midori vous attend près de l'entrée principale.
Bon, là c'est le plus intéressant pour au niveau des décors, parce que là on était dans une base quelconque. Putain, franchement, non mais sérieusement les gars, il est encore magnifique le jeu. Est-ce qu'on peut tirer sur les plantes? Ah oui, LT c'est pour esquiver. Ça c'est pour faire un demi-tour. Ah, je peux tirer. Putain, défi de secteur. Donc vous voyez, il y a des petits défis comme ça pour gagner un peu plus d'expérience. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment pour upgrader votre perso et avoir de meilleures armes, quoi. Ryder, tu arrives à temps. On a des hommes coincés hors des clôtures. Ils signalent des loups vipères qui viennent sur eux. Des loups vipères? Tu vas adorer. Tu sais manier une tourelle? Parfait. Grimpe à la porte principale et balance un tir de couverture. Bah, de toute façon, je suis obligé d'accepter. Attends. Je sais même plus si on peut courir dans le jeu. Je sais plus. Vous avez vu le truc à droite? Je sais plus. C'est des pouvoirs qu'on a, mais. De toute façon, avec le tuto, on va savoir comment faire pour les utiliser. J'ai utilisé la tourelle. Oh putain, ça lag. Ouh. Ah, c'est bon! Élimination des loups vipères commencée, d'accord. Là, vous allez voir, c'est quand même un gameplay qui ressemble étrangement à comment ça s'appelle ce jeu? À Lost Planet. Il y a quand même pas mal de ressemblances. Ce n'est pas pour me déplaire, parce que Lost Planet, ils avaient quand même un bon petit gameplay. Mais crève. Ah oui, ça me gonfle un petit peu de voir des corps qui disparaissent comme ça. Je trouve pas ça terrible, malheureusement. Allez, crevez. Ah, ça va, ça me fait gagner de l'XP en... Alors oui, quand vous êtes de l'infection et RDA, vous voyez, ça vous fait gagner de l'expérience en ce qui concerne la faune et la flore, quoi. Je peux sortir. Mais quand vous êtes un Navy, je crois que ça vous fait baisser l'expérience, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, on va pas voir, parce que j'ai l'intention de prendre la faction RDA, parce qu'elle est peut-être nettement plus intéressante que celle de la Navy. Donc voilà, on va réparer notre perso, puis je vais reparler après. Merci. C'est pas fini. On a encore un gars sur le terrain. Prends un buggy et va l'aider. Il s'appelle Dalton et il est mort de peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? À toi de le découvrir. Parce que le problème de la faction Navy, c'est beaucoup plus un gameplay busy mall, si vous voulez. Et là, c'est beaucoup plus un jeu de... Enfin, quand vous utilisez la faction RDA, c'est plus... un jeu d'action en un part entier, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je préfère un peu nettement la RDA, quoi. Je vais pas démolir les... Oh. Cassez-vous! Je vais protéger mes collègues. Comment on fait pour ça? Donc je vais me promener à pied, hein, parce que... Oh là là, ça bouge! Ça sert à quoi ça? Pour obtenir une nouvelle vie prélevée, d'échantillon aussi. Faut échapper à mort, d'accord. Oh, ça m'aidor! Excellent! Vous vous souvenez de ces plantes-là quand on se lit les décos pour la première fois dans le film Avatar? Si je trouve ça excellent, ça. Quand on va s'approcher, ils vont disparaître, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez. C'est vraiment énorme. Mais très franchement, là, graphiquement, il est encore joli, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi.
pour ça que franchement la génération la génération précédente, enfin de Xbox 360 et PS3, ils en ont encore dans le bide, hein. Franchement, on peut encore faire de très très bons jeux, malgré qu'il n'y ait plus de jeux qui sortent à l'heure actuelle, hein. Enfin, plus beaucoup, à part les jeux de sport, mais sinon, c'est tout quoi. Bon, je vais peut-être aller plus sur mon objectif, hein. Mais très franchement, ouais, graphiquement, vous voyez, là, il n'y a pas photo, quoi, il est vraiment encore très beau. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas si c'est des petites lucioles, comme dans le film, là, vous voyez les petites bricoles qui ressemblent un peu à des méduses volantes, là. Ça, c'est bien, ça. Ça, je peux le détruire, ça. Non. Alors, ça, je crois que c'est... Ça, je vais... Voilà. Ah non, c'est pour refaire le plein de munitions, d'accord. Ok. En même temps, là, j'ai détruit des plantes. Oula, oula, oula. Hello Viper! Ah voilà, appuyez, hein, répulsion. Dans quelques temps, d'accord. Ah ouais! C'est pas réellement des pouvoirs. Attends, et si je fais ça? Ah ouais, cool. Par contre, quand vous allez trop vite, c'est pas terrible quoi. Ouais, c'est des petits gadgets, c'est pas réellement des pouvoirs. Ça m'aurait étonné de voir des pouvoirs dans. À part quand vous êtes un Navy, je peux pas comprendre, mais en tant que soldat, quoi. Attends, il est où notre perso, là? Oui, ça, je sais qu'il faut esquiver. Bah, d'ailleurs, c'est réellement la même chose que la semaine, quoi, la façon d'esquiver. Mais je crois pas que c'était avec LT, en ce qui concerne la planète, ça devait être un autre touche. Alors moi j'ai pas eu de difficulté dans le jeu, donc je crois que c'est qu'il y en a pas. Allez, je détruis tout. Tu sais, il y a Greenpeace qui vient. Ah, tête de con, va, tu gaspilles la faune sauvage, tu sais. Ah, on est comme dans un jeu vidéo, faut déconner. Mais... Tiens, le Weeper, là. J'ai débloqué pack soldat débloqué. Oh, j'ai gagné un nouveau gun. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que vous foutez là, vous là? Bon, vous aurez pas que ce genre de créatures là, vous aurez bien entendu les créatures comme dans le film quoi. Bon, on a trouvé notre collègue coéquipier. Dieu merci, te voilà. L'endroit grouille de ces molosses. Il a fallu que je me planque là-dedans pour leur échapper. Faut que tu m'aides. Je peux pas partir avant d'avoir triangulé le signal et ça grouille de l'eau vipère. C'est une mission prioritaire pour le commandant Falco. C'est pour surveiller les activités des navires, je crois. Mais ça marche pas. Calme-toi. T'as besoin de quoi? J'ai besoin d'un signal et j'ai jamais fait ce genre de truc. Bon, tu peux rentrer à la base. Je vais verrouiller le signal pour toi. C'est vrai? Ah, tu me sauves la vie. Il faut que t'ailles à quelques kilomètres au nord-est. C'est là-bas. Merde, j'ai même pas vu ce... Vous pouvez... Oh merde, j'ai plus le temps de lire. Bon, faut que j'aille... sur le point. Au gros, faut que je fasse demi-tour, je peux... Oula. Eh, vous les faire foutre. Allez vous faire... Non mais n'importe quoi, allez vous faire foutre, voilà. J'ai plus une mission. Ah. Crevé! Et l'autre là, j'ai plus de mission. Ah, c'est un coup par coup quoi. Attends, est-ce que. Ah voilà, je peux utiliser. Ah non, je suis obligé de faire demi-tour quoi. Nouvelle récompense est soumise en appuyant ici. Arme. Ah, ça change rien, je les ai, les armes. Talent. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est... Ouais, c'est une encyclopédie. Ok, bon.
qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu rajouter un mode coop aussi, ça aurait été marrant. Alors, ce qui serait bien, une fois que j'aurai fini le let's play, c'est que je... Enfin, le let's play en général, si vous voulez, que j'aille sur le multijoueur, mais je sais pas si les serveurs sont encore actifs. Ou s'il y a encore du monde dessus, d'ailleurs. Alors, je vais me recharger en munitions, hein, c'est Y. J'en aurais besoin. Ça, c'est quoi comme gun, ça? Ah, c'est un fusil à pompe. Hop, j'accélère un petit peu. Ça se détruit ? Ah non, ça se détruit pas, ça se barre. Allez, cassez-vous ! Ah merde ! Je ramasse ça, je sais plus à quoi ça sert à dire vrai. Échantillon de CU, ouais, ok. Je ne sais pas quoi. Non, ça se détruit pas, j'ai l'impression. Bon. Ah, lance-grenade. Cool. Oula. Qu'est-ce que vous faites là, les loups vipères? Pourquoi elle est où, là? Eh, cassez-vous. Bordel quoi. T'as le bonjour de la terre. Attends. Il faut que je retourne dans la base. Bon. Bon, mais je suis bien avec ces flingues là. Je sais même pas si on peut retirer le... Les deux pistolets, on verra bien. Plus tard. J'ai pas l'impression où ils repoussent les plantes. Ah c'est vrai, j'allais dire merde, je peux pas courir, attends. Maintenez pour scanner votre environnement. D'accord. Ouais, ça me sert à rien. Ça se recharge vite, ça, dit donc. Initiation. Ah, cool, c'est bien ça. Kendra est parti pour la base avancée. Prends un dégâteur et remonte la rivière pour la rejoindre. Il y a des armes là-dessus? Je pense que... Ouais. D'accord. Ah, c'est fait, c'est pas une petite créature. Je sais pas si on peut les tuer. Je suis méchant, je vais tuer tout le monde quoi. Petite base là. À noter aussi, c'est que vous voyez, il y a la map n'est pas entièrement couverte quoi. C'est au fur et à mesure que vous avancez, voilà, on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles petites. Au niveau des caisses de munitions et tout ça. Et ça, je me souvenais, il fallait faire ça à 100% pour avoir tous les. Pour avoir l'intégralité du succès quoi, si vous voulez. Je croyais que c'était le succès, c'est débloquer tout votre environnement à 100% quoi, sans qu'il... en découvrant tout votre terrain quoi. Ça c'était bien ça. En même temps, ça me permettait en ce qui concerne la durée de vie quoi. C'était pas mal ça aussi. Kensington vient d'appeler. Tu l'as impressionné tout à l'heure. Et rien n'impressionne ce type. Tu te bats vraiment bien. J'ai besoin que tu ailles voir Dalton. On a encore des problèmes le long de la clôture.
Dalton, c'était pas le type coincé sur le terrain? Si, va à la clôture pour voir ce qui se passe. Bon, on va voir Dalton. Ça se détruit ça? Ah non, je sais plus à quoi ça sert ça. Attends. Analyse. Arbre de vision. Ah, je crois que c'était un, justement un téléporteur, ça. Je dis pas de bêtises quand on est un Heavy, quoi. Attends, ça, je vais recharger mon munition. J'adore ces trucs. Hey, Ryder, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, ça va mal. Il y a des brèches dans la clôture. Et s'il y a des brèches, ça veut dire... Des loups vipères. T'as tout compris. Je vérifie du côté nord. J'ai besoin de toi au sud. Vérifie les répulseurs soniques. Ces trucs sont censés repousser les bestioles. Sauf qu'en ce moment, ils les attirent. Tu dois arranger ça. 4000 XP, waouh. Bon, bah c'est parti. J'allais dire, est-ce qu'on peut nager? Non, finalement, on a pied, quoi, tu sais. C'est vraiment un gameplay à la Lost Planet, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. C'est vrai qu'Ubisoft, ils auraient pu un peu plus innover de ce point de vue-là. Parce que c'est vraiment trop ressemblant, quoi. Puis je me demande s'ils sont pas du tout inspirés, quoi. Franchement, là... Bon. Alors, je ne saurais vous dire lequel moteur graphique c'est, mais j'ai l'impression que c'est celle de des vieux Ghost Recon, là, le Advanced Warfare, je sais plus quoi. Là, je crois que c'était c'est... Et puis Lost est disparu aussi. Je crois que c'est ce moteur graphique-là. Mais après, vous dire le nom, alors là, franchement, je ne pourrais point vous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Pour entrer dedans? Hop, j'esquive. Oh, c'est même pas des Weepers, c'est des... je sais même pas quoi. Allez, cassez-vous! C'est une autre forme de Weepers. Attends. Wow. Voilà. Si j'utilise... Ah non, attends, c'est pas ça. Analyse, voilà. Elle n'est pas là. Ok. Menace minimale, mais je voudrais voir les loups vipères, là. Allez, on y arrive. Voilà. Merde, j'ai pas vu. Modéré. Ah oui, ok. Imagine les gros... Très... je sais même pas ce que je pourrais dire. Très dangereux, tu sais. Ça, on peut les... Non, c'est pas une plante... Ah non, c'est une plante lambda. Bon, ok. Ça, c'en est une. Attends. Voilà. Ça aussi, je crois qu'il y avait un succès dessus pour les recherches. Enfin, je vous dis ça, mais putain, ça remonte. Oh, en plus, celui-ci, je l'ai torché assez vite parce que j'étais tellement dessus, mais... En plus, il y avait un succès qui était quand même très long, c'était les 150 parties multijoueurs. Je crois, je sais plus du tout si j'avais fait des sessions avec des amis dessus. Mais il y avait beaucoup de gens qui jouent au début, ça, c'est vrai, parce que les personnes qui ont aimé un peu le système Lost Planet, ils s'y retrouvent, quoi. C'est la même chose, quoi. Donc, de ce point de vue-là, le jeu s'est fait un peu sans faute, quoi. Ton invisible. Bon, tu sais, c'est vraiment très simple d'utiliser les répulseurs. T'appuies juste sur Y, t'es pas obligé de presser la touche, quoi. Attends, est-ce que je peux t'analyser, toi? Voilà. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as réussi à sortir de la clôture, toi? Non mais sérieusement, ça me fait vraiment plaisir d'y retourner.
Sans déconner, c'est vraiment... J'ai... Pourtant, vous voyez, c'est un jeu d'action, mais qui m'emmerde pas, parce que des... vous voyez, même en cette période de Next Gen, Xbox One, PS4, il y a beaucoup de jeux d'action, mais ils sont trop répétitifs et pas du tout ingénieux, mais celui-ci, vous voyez, rien que... Il sort du lot, quoi, mais... Parce que c'est Avatar, sans doute, mais c'est vraiment du très très bon, quoi. C'est à partir de là... Après, que peut-être qu'Ubisoft a déconné avec la fameuse série des Assassin's Creed, que ça n'a fait qu'empirer. C'est dommage qu'ils auraient pas fait... Ils auraient pu faire une suite à Avatar, hein, mais bon. Tous les répulseurs sont réparés. Fini les loups vipères. Génial. L'officier Midori a dit qu'elle voulait te voir. Bon, écoute, j'ai dit à Falco que tu m'avais aidé avec le scan. Tu voulais pas te voler la vedette. J'apprécie. Pas de problème. Il m'a dit de surveiller le ciel. Il va envoyer un dragon pour activer le scan. Ouvre l'œil, hein. Putain, j'ai un lance-flamme, c'est bon ça. Attends, je vais peut-être... Qu'est-ce que je peux changer comme arme? C'est pas celui que j'utilise d'ailleurs. Attends. Fusil à clou, non. Putain, le lance-flamme, ça va être excellent. C'est dommage qu'on puisse pas retirer le pistolet. Ça c'est invisible, ça c'est... Ah, ils sont tous utiles, quoi. Je vais peut-être changer l'autre pour le missile, voilà, tac. Mais là, il y a un petit défaut que je pourrais reporter, c'est le fait de pas courir. Il y a juste le pouvoir comme ça de courir, mais c'est chiant d'utiliser son pouvoir pour courir, quoi. Celui d'a juste d'appuyer sur une touche et puis courir, quoi. Ça c'est dommage. Il est temps pour toi d'intégrer ton avatar. D'accord. Pour la clôture, j'ai rien dit à Dalton, mais quand j'ai réparé les répulseurs, j'ai bien vu que quelqu'un avait inversé les fils. Tu crois que c'est notre taux? Je ne vois que lui. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est une sacrée pagaille. Tu ne sais pas à quel point. Les navis découvrent l'hospitalité humaine, mais, surprise, ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils voient. Cet endroit est une poudrière prête à exploser. Mais c'est une autre histoire. Il est temps pour toi d'activer ton avatar. Bon, faut que je rentre là-dedans. Ouais. Là, il faut être dans une pièce où il ne faut pas respirer l'air de la planète. Hein. Comme dans le film. Hein. Alors, où est là? Ouais, il est là. Alors oui, on peut avoir des armes à feu lorsqu'on est un Navy, et aussi avoir des armes de mêlée comme les armes dans le film, quoi, si vous voulez, des arcs, des gourdins, voilà. Bon là pour l'instant... Ah, excellent, c'est excellent pour esquiver. Mais oui, vous pouvez avoir différents types d'armes quand vous avez le contrôle d'un Navy. Mais vous serez cela prochainement lors d'un prochain let's play. Parce que là, on est déjà pratiquement à 40 minutes de let's play. Donc, très franchement, j'espère que cela vous aura plu. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des aventures de Avatar The Game. Donc, comme je vous le disais, là, on va être en... On est un Navy. Mais après, on aura un choix. Soit on reste en RDA, le côté humain, comme je viens de contrôler dernièrement. Soit vous prenez le côté des Navy. Mais je pense prendre le côté RDA parce qu'elle est beaucoup plus intéressante en ce qui concerne l'histoire. Même si, scénaristiquement, ça casse pas des briques. Hein, je peux vous rassurer. Mais je préfère quand même le côté RDA. Après, si vous avez vraiment réellement aimé ces let's play et que vous me demandez de prendre la faction Navy, à ce moment-là, je prendrai la faction Navy et vous faire un let's play différemment. Mais bon. Pour l'instant, on se focalisera uniquement sur la RDA. Donc voilà, bah, du coup, je vous dis à la prochaine et pour la suite des aventures de Avatar The Game. Ciao, ciao!